en ce moment, il y a plein de réunions. Vous êtes au courant. La fois dernière, j'en avais parlé il y a 2-3 vidéos avant. Je ne me rappelle plus de la date. J'en avais en parlé. Voilà, salut Oumar Sou, j'espère que tu vas bien. Il faut partager. Bonsoir à tout le monde. MB, Boyalo, je vous dis bonsoir à vous tous. Dès que vous venez, vous partagez dans différents groupes. C'est tout ce que vous pouvez faire. Oui, Karim Kamara, wallahi, elle est le symbole des autres victimes et elle est l'élément déclencheur. Voilà, malheureusement, Sadio Cissé, Marie Assouma, j'espère que vous allez tous bien. Essayez de... Merci, merci à tout le monde, à Kaliba, Hadia Ibrahim, c'est quoi, Ahmed Baldi. Bonsoir à vous tous et merci à tout le monde. Et essayez de partager la vidéo, partagez, 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 mettez les cœurs et commentez aussi. Voilà, malheureusement, ce que le monsieur vient de dire, elle est le symbole, mais elle a vécu beaucoup d'atrocités. Si c'est ce qui peut faire que les autres soient sauvés, bon, vous savez, chacun son destin. Donc, vous voyez qu'il y a des réunions en ce moment. Attendez, je vais vous lire le titre, parce que quelqu'un va me demander c'est quoi le sujet. Attendez là, je vous lis ça rapidement. Le colonel Mamadi Doumbouya assoit progressivement son autorité et fait trembler les anciens dignitaires. De Hadia Alimatou Dalein Diallo, la dame au grand cœur. Donc, nous allons parler, pardon, des deux sujets là, tout à l'heure, Inch'Allah. On va commencer par les réunions. Il y a des réunions. La fois dernière, quand je vous avais parlé de la sécurité nationale, la Guinée va être agressée, il y a des mercenaires, Côte d'Ivoire, tout ce truc-là, on ne va pas revenir là-dessus. Je vous avais dit, je crois très très bien qu'il y a des réunions qui se passent à l'interne, clandestinement. Il y a plusieurs réunions. Mais maintenant, apparemment, Bali Général, j'espère que tu vas bien. Souleymane aussi, j'espère que vous allez tous bien. Essayez de partager. Mariam, j'espère que tu vas bien aussi. Yayaba, j'espère que vous allez tous bien. Donc, voilà. Et maintenant, apparemment, ce n'est plus en cachette. Voilà, ce n'est plus en cachette. Ça va en vitesse. Pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Parce que l'autorité s'assoit progressivement. Certaines personnes pensaient que, déjà au début, que c'est un faux coup. Ces gens-là sont en connivence, en complicité avec le colonel. Nous avons entendu ça. Don Diallo, je vais bien, alhamdoulilah. Et toi aussi, j'espère. Qu'ils sont en connivence avec le colonel. Mais qu'ils sont en complicité avec le colonel. Nous avons entendu ça. Ou bien, même nos connaissances nous ont dit ça. Un peu partout, dans les familles, un peu partout. Aujourd'hui, là, on commence à voir que l'affaire de complicité, là, ça commence à prendre des tournures. Hein. Donc, je vous ai dit que le mensonge va se présenter tout seul. La vérité aussi va sortir tout seul. On n'a pas besoin de dire que tel est menteur ou tel est véridique. Les faits seront là progressivement. Il faut être patient. C'est tout. Carlos, j'espère que tu vas bien là-bas. Donc, maintenant, nous avons vu que le colonel a reçu une délégation de la communauté européenne ces jours-ci. Le premier ministre Béa Wogui est parti au Ghana. Le président Léonais est venu en Guinée. Donc, il a reçu aussi les ambassadeurs de la CEDEAO. Voilà, les représentants de la CEDEAO. Donc, ça doit être les ambassadeurs, les représentants de la CEDEAO, il les a reçus. Donc, forcément, le pouvoir commence à s'asseoir. Kana, comment tu vas? Le pouvoir commence à s'asseoir progressivement. Il ne s'attendait pas à cela. Mettez-vous à leur place. C'est-à-dire, tout s'est vite passé. Nous-mêmes, nous avons été surpris de cette vitesse et de comment ça s'est passé. Donc, il faut les comprendre eux aussi. Je pense que les esprits commencent à se retrouver, qui commencent à se dire, l'affaire du petit, là, Hadia Mariam Ambalou, il faut partager. Tu ne partages pas mes vidéos, il faut partager, Ambalou. Vous voyez? Donc, ils se disent, l'affaire du petit, là, ça commence à prendre forme, hein. Si on ne se lève pas, c'est pas bon. Donc, lui aussi, il s'assoit et il est dans le truc de séduction. Je vous l'ai dit la fois dernière, je vous l'ai dit régulièrement. Il est en train de jouer sur toutes les erreurs de l'autre. Voilà. Le truc ethnique, par exemple, il essaye de rassembler les ethnies à sa manière. Ça, c'est sa manière à lui. Tandis que l'autre divisait pour mieux régner. Lui, il essaye de réunir pour mieux régner. Parce que il est en train de gratter un peu partout. Dans toutes les ethnies, il est en train de s'asseoir, de voir les points faibles par-ci, par-là. Il y a le cimetière de Bambeto, il y a les prières, il y a les ci, il y a les ça, il y a beaucoup de choses. Il est parti voir cette dame-là aussi, notre sœur dont on a parlé avant-hier. Il est allé au chevet, à son chevet.
Il faut savoir une chose, c'est un militaire qui a fait beaucoup de pays. C'est des gens, ce sont des hommes de terrain. Ce qu'il fait là, ce sont des hommes de terrain. C'est logique et c'est tout à fait normal. Mais pour nous, c'est extraordinaire. Nous, Guinéens là, nous, dans la situation dans laquelle de 12, 11 ans, 10 ans, on est sorti, pour nous, c'est extraordinaire. Sinon, c'est tout à fait logique. On voit les premières dames ici aller saluer les gens. On voit les présidents qui serrent la main des gens, qui essayent de se rapprocher du peuple et tout. On n'était pas trop habitué à ça avec l'autre monsieur là. Déjà, on savait comment il a été élu. Moi, je me mets à sa place. Quand les gens disaient souvent que il a déçu le peuple, il est ci, il est ça. J'ai dit, mais il a déçu le peuple. Qu'est-ce que le peuple attend de lui? Le peuple a voté pour lui. Le peuple n'a pas voté pour lui. Donc, il fallait qu'on arrête ça. C'est pas, tu n'as pas voté pour quelqu'un. Qu'est-ce que tu attends de lui? Parce que tu sais qu'il ne va rien faire. C'est pourquoi tu ne votes pas pour lui. C'est très simple. Donc, c'était logique. Il savait qu'il n'était pas aimé. C'est l'homme politique le plus détesté de l'histoire de la Guinée. Nous le savons, ce n'est pas caché. Moi, j'ai évité de dire son nom. Je ne veux pas prononcer son nom. Excusez-moi, Yandi. On va parler comme ça, vous allez comprendre. Vous avez vu la vie? C'est le moment là, c'est maintenant là que je dois dire son nom. Je ne dois pas avoir peur. Ou bien, voilà, moi je vous dis, moi j'ai ma façon à moi, je suis comme ça. Parce que c'est un nom qu'on doit oublier, pas totalement. Mais on ne doit pas faire de ça notre centre d'intérêt. Il y a l'avenir, il y a le futur. Et le passé, c'est lié. Mais on ne va pas imposer le passé aujourd'hui. Les gens qui doivent imposer le passé, eux, ils veulent revivre la chose. Donc, il faut faire très, très attention aux interventions. Ne pas trop mettre cette personne en avant parce que ce n'est pas l'objectif, parce que ce n'est pas le but. Vous comprenez? Cela est tout à fait logique et tout à fait normal. C'est comme ça que moi, je vois les choses et c'est comme ça que je compte les faire. Vous allez voir plus tard si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Nous allons voir cela. Donc, les gens là ont peur. Ils veulent s'aimer la pagaille, ils veulent s'aimer la zizanie, notre petit bonheur là. Ça les dérange. Ça les dérange énormément. Donc, ils vont tout faire pour faire échouer la transition, pour faire échouer les choses, pour faire regretter le monsieur, pour nous faire regretter. Parce que c'est des gens qui vivent du désaccord, du conflit, des problèmes. Ils se servent de nos âmes, ils nous pompent notre énergie positive pour qu'eux soient en avant, pour fatiguer le peuple, pour fatiguer la Guinée. Ils voient qu'il y a des choses quand même qui se font aujourd'hui qu'on n'a pas l'habitude. Il faut se dire la vérité. On verra dans l'avenir ce qui va se passer. Quand l'avenir aussi va arriver, on va prendre ça comme par la méthode que c'est venu. Mais pour l'instant, ce qui se passe là, nous allons apprécier ça comme ça. Vous savez, quelqu'un qui a l'habitude des coups de bâton, quelqu'un qui a l'habitude des coups de fouet, quand tu lui tends la main, pour lui, c'est le paradis. Parce que lui, il connaît le coup de fouet et le coup de bâton. Le strict minimum est devenu un luxe pour nous. Donc, dès que ce monsieur-là pose certains actes, pour nous, c'est waouh, c'est top. C'est logique. Au mot de rakara, on n'est pas habitué à cela. Et ça, là, les autres, là, n'aiment pas du tout ça. Ils n'aiment pas du tout ça. Ils ne sont pas du tout contents. Certaines personnes parlent qu'il y a eu des victimes. Qu'il y a eu des victimes. Parmi les gens qui ont riposté, ce sont nos frères aussi qui sont décédés. Ça, c'est les aléas du métier. Ça, ce sont les risques du métier. Et c'est de la légitime défense. Si eux ne mouraient pas, c'est le camp de Mamadi Doumbouya qui allait mourir. Quand vous et moi, on est face à face là, vous êtes armés, je suis armé, chacun se défend. Si je meurs, Awa, si vous vous mourrez, Awa, c'est comme ça. Mais on a eu des morts pendant combien d'années? C'est pourquoi je vous dis que les gens là ne sont pas justes. Les gens là n'aiment pas la Guinée. Les gens là n'aiment pas l'être humain, ils n'aiment pas l'humanité, ils ne s'aiment pas, ils étaient mourafema. Quand quelqu'un ne s'aime pas, il ne peut pas aimer son prochain. Il faut d'abord t'aimer. L'amour que tu ressens pour toi-même, c'est ce que tu renvoies au prochain. Mais quand tu te détestes, quand tu t'auto-détestes, tu ne peux pas aimer l'autre en face. Sinon, il y a eu des morts pendant tous ces 10 ans-là. On va dire même à peu près 11 ans, il n'y a eu que des morts, il n'y a eu que des viols, il n'y a eu que des problèmes. Mais quand tu défends un camp, moi je dis tout à l'heure, je le dis, ce sont nos frères qui sont décédés. C'était de la légitime défense. Ils sont morts au combat. C'est leur métier. Défendre le monsieur là, c'était leur métier. Je le dis ouvertement. Mais tandis que quand c'est eux, ils disent autre chose. Donc, c'est ça que moi je ne comprends pas quelquefois. Et on ne cherche pas à comprendre. Nous allons avancer. Nous avons le présent. Nous avons le futur. Mais je vous ai dit, il y a certaines personnes qui ne vont jamais aimer le monsieur là. Parce que pour eux, le monsieur les a humiliés. Non!
Le monsieur s'est défendu et il a défendu beaucoup la majorité des Guinéens qui n'étaient pas contents. Maintenant, ceux qui se réunissent aujourd'hui, il faudrait qu'ils sachent. Si le monsieur-là était dans l'illégalité aujourd'hui, s'il était dans l'illégalité ou s'il est dans l'illégalité, il n'est pas plus dans l'illégalité que pendant les 10 ans de leur monsieur-là. Pas plus. Parce que nous savons comment les élections se sont passées. Surtout les dernières élections. Quand on vous dit d'être du côté de la vérité, voilà les conséquences. Aujourd'hui, ils se réunissent. Ils vont dire beaucoup de choses pour déstabiliser, pour monter les uns contre les autres, pour monter leur camp, ceux qui sont faibles parmi ceux-là, pour que la communauté internationale, dont ils ont toujours dit qu'ils s'en fichent, pour que ceux-là fassent attention et qu'ils décrivent le pouvoir de ce monsieur-là. C'est pourquoi je vous ai dit, Inamé, élection, c'est que la transition s'est bien passée. Si ce monsieur-là n'est pas en sécurité, si ce monsieur-là n'assoit pas son pouvoir, si ce monsieur-là n'est pas soutenu par tous les partis politiques, par tous les Guinéens, partis politiques, peu importe la majorité, et que ce soutien soit visible, c'est ce qui leur donne la force. Fode Bangoura a dit, c'est ce qui leur donne la force. Est-ce que vous me comprenez? Et vous me comprenez ce que je suis en train de vous dire. Qu'on le veuille ou non, on doit soutenir le monsieur-là et soutenir cette transition. Tout ethnie confondue, tout le monde, parce que c'est notre dernière chance. Supposons que toutes les manigances là qui sont en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, Dieu seul sait, Allah subhanahu wa ta'ala seul sait ce qu'ils sont en train de dire là-bas. Mais je suis sûr que ce n'est pas quelque chose de bon. Ça, je suis sûr de ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'en suis sûr. Parce que les connaissants, ils sont diaboliques. Ils aiment la calomnie, ils aiment la polémique, ils aiment le conflit, ils aiment les problèmes. C'est leur nature, c'est des problématiques. En ce moment-là, la Guinée est plus ou moins tranquille, plus ou moins. Le plus ou moins de tranquillité, là, ça les énerve. Le plus ou moins que là où le monsieur passe, tout le monde applaudit, tout le monde crie, tout le monde fait des trucs, malgré que ces gens-là ne sont pas très clean, mais ils sont en train de se blanchir. Ils essayent tant bien que mal. Mais vous et moi, entre nous, est-ce qu'on a le choix? S'il faut choisir, qu'est-ce qu'on va choisir aujourd'hui? Quelqu'un que tu soutiens, tu peux le faire tomber demain par la grâce d'Allah. Tu soutiens quelqu'un avec ton âme et ton cœur dans tes prières. Demain, tu pries contre lui, ça va prendre. Parce que Dieu, il aime la vérité. Ne dites pas que dans la politique, il n'est pas là. Nous allons soutenir cette transition-là. Si le monsieur-là et son équipe se comportent mal devant, nous allons nous battre contre eux. Inch'Allah, nous allons réussir. Mais pour l'instant, on ne doit pas avoir 50 camps ou 10 000 camps. Non. C'est comme quand il y a eu les élections. Tout le monde le sait. Si tu n'étais pas avec CDD, tu étais avec Alpha Condé. Même inconsciemment, que tu le veuilles, oui ou non. Aujourd'hui, nous devons faire bloc. Nous devons faire bloc. Pousser le monsieur là. Je ne vais pas vous mentir. Si ça tourne mal, je ne le souhaite pas. Je ne pense même pas à ça pour l'instant. Je prends la balle qui arrive là où elle arrive là. Au cas où, je serai encore là avec vous. J'ai dit la même chose aux gens pour la Constitution. Moi, je défends cette Constitution parce que. Le jour que ça ne va pas, je me retournerai contre la personne. Les gens pensaient que je mentais parce que pour eux, la politique, c'est le mensonge. Vous allez me voir peut-être ailleurs. Je ne vais pas rester sur Facebook toute ma vie. Le combat, j'aurai d'autres routes. C'est la communication. Pour l'instant, c'est ce que j'ai. Je n'ai pas autre chose. Et ça donne. Donc, partagez les vidéos, vous les commentez, vous les partagez dans les groupes, vous les partagez sur vos comptes, vous partagez dans vos inbox pour toucher plus de monde. Parce que même ici, Shaitan domine. Si j'étais là tout à l'heure, bien de l'idée, les 5 en valeur, tous les trucs dehors, là, en train de faire les micmacs avec ma bouche et mes mains, vous serez 10 000 là. Oui? Donc, les gens là, s'ils sont réunis là-bas, ne rêvons pas que c'est une bonne chose. Ils sont en train de manigancer. Il faut que les garçons la regrettent. Il faut qu'on arrive à tourner son cerveau. Il faut que les choses se passent comme eux ils veulent parce qu'ils sont habitués à cela. Dans leur tête, celui-là les a trahis. Non, il n'a trahi personne. Il s'est défendu. Au passage, nous aussi, on l'a suivi. Nous aussi, on a eu notre part dedans. C'est ça la vérité. Donc, s'ils sont là-bas, si vous avez des familles ou quoi que ce soit, ils vont essayer. Ils sont habitués à ça. Ils ont un peu d'argent pour l'instant. Ceux aussi qui disent que
On les laisse dehors. Pour ça, ils font des réunions. Ils font ci, ils font ça. Mais est-ce qu'on peut arrêter tout le monde, mes frères et sœurs? Quelqu'un se sert des erreurs de Alpha pour se positionner. Astafoula, 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 astafoula. Je ne vais pas dire le nom du monsieur là, franchement. Le monsieur veut se servir des erreurs de l'autre. Vous voulez qu'il commette les mêmes erreurs? Hein? Les gens qui parlent et qui donnent les conseils, nous devons faire très attention à ce que nous disons. Oh, colonel, il ne faut pas être avec un tel. On connaît les dessous de ce coup-là. Nous connaissons le dessous. Nous connaissons le rôle de Bala Samoura. Nous connaissons le rôle de Idi Amin. Nous connaissons le rôle de Namori. Nous connaissons le rôle de Podé et de Pierre Dudan. Mes frères et sœurs, nous ne le connaissons pas. Nous avons vu les gens là comme ça devant nous. Bam. Et le gros problème est que ceux qui se réunissent là, le colonel et son groupe là les connaissent. C'est le même groupe. C'est les mêmes gens. C'est comme un groupe. Toi, tu sors dedans. Vous avez vu Ella Gisèle-Lou. Il est ancien ministre. Il est ami. Il est collègue avec les anciens là. Si vous voyez toujours Monsieur Touré Sidia et Monsieur Selouda Lengalo, les deux là, c'est toujours eux qu'on traque politiquement. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les groupes, les anciens ministres là. Donc le colonel aussi et son groupe et l'autre groupe se connaissent. Ils étaient dedans. C'est comme quand tu quittes un groupe de bandits ou un groupe de sorciers ou un groupe de médecins. Le secret professionnel, tu vas le sortir. C'est ce qui les inquiète. C'est ça qui les inquiète énormément. Donc, il n'y aura rien de bon qu'ils vont dire entre eux là-bas. Ne rêvons même pas. Et tous les actes que le monsieur pose et tout. Et au passage, je vais vous dire, il y a la politique dans ce que le colonel fait. Mais je vais vous signaler une chose. Moi, je vous ai dit que c'est quelqu'un avec qui j'ai parlé quelques fois. Je vous ai expliqué l'histoire là. Donc, c'est quelqu'un qui était à Forikaria. Je pense que c'était Kalako. Je crois que ce village s'appelle Kalako. Quand j'entends les gens dire aujourd'hui que oh, les Américains ont fait ci, les Américains ont fait ça. Les Américains là étaient à Forikaria, ce n'était pas caché. Renseignez-vous si vous avez des gens là-bas. Ils étaient là. Ils n'étaient pas cachés. Ils étaient là. Mais comme ça les arrangeait et que c'était en faveur, c'était leurs gens, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de signalement. Aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des signalements. C'est des rebelles, c'est des bandits, c'est des ci, c'est des ça. Mais avant, c'était leurs gens. Et c'est quelqu'un qui est très humain. J'ai demandé à plusieurs personnes. Plusieurs personnes me l'ont dit qu'il est très humain. Que quand il était dans le village de Kalakor, je pense que c'est le nom. Quand il était là-bas, quand les fêtes arrivent, il tue, je pense, des bœufs, des moutons. Il distribue le riz aussi. Il aidait les gens pour leur scolarité. Oui. Il aidait les gens quand ils ont des petits soucis. J'ai entendu parler de ça et j'ai vérifié, me renseigné plusieurs fois. Ils disent que le côté là, il l'a. Donc si tu as ce côté là et qu'il y a des choses comme ça qui arrivent politiquement, tu es plus... On savait que l'autre n'était pas humain. On ne va pas cacher ça. Le côté humain, on l'a naturellement. D'où le côté de Hadja Alimatou. Une fois, on a fait un direct ici, parce que Hadja Alimatou est parti au mariage de je ne sais pas qui, la NRPJ. Ça fait beaucoup de problèmes, beaucoup de bruit. Vous vous rappelez de l'histoire. Quand j'ai fait ce direct-là, je l'ai dit. J'ai dit, cette dame-là, elle est humaine, c'est sa nature. J'ai dit, on ne peut pas lui enlever ça. Oh, Hadja Alimatou va n'importe où. Elle va chez les ennemis. Elle va chez Paul. J'ai dit, c'est sa nature. Elle est sociale et sociable. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ça, c'est ta nature, quelle que soit ta position, on ne peut pas t'enlever ça. Mais peut-être qu'à un moment là, tu vas te rétracter. Mais, ça va revenir. Nous avons vu Hadja Alimatou aussi au chevet de cette dame-là. Ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est quand j'ai vu le micro de la RTG. Et ce qui m'a encore autre choqué, positivement, hein, je sais qu'à un moment donné qu'on a arrêté Hadja Alimatou à l'aéroport, on a pris son passeport, je crois, en tout cas, on l'a empêché de monter dans l'avion. Au même moment, c'était, quand je dis le même moment, c'était les jours qui ont suivi, je crois bien, ou la semaine. Ils ont arrêté, et là, je sais pas, en tout cas, des gens de l'UFDG qui étaient venus saluer à ce même, je crois que c'était à Niastine. Il y a eu une histoire d'hôpital comme ça. Il y a eu beaucoup d'histoires, je ne me rappelle pas bien.
Il faut que les Guinéens comprennent. C'est ça que je vous dis. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est pour nous ouvrir les yeux. Pour qu'on sache que la vie d'un être humain, seconde, ça peut balancer. En une seconde, tu peux balancer de l'autre côté, positivement ou négativement. Mamadi Doumbouya est venu pour ça. Son équipe-là est venue pour ça. Ils ne sont pas venus nous développer. Ils sont venus nous ouvrir les yeux. Ils sont venus nous montrer qu'une ethnie ne peut pas sauver une ethnie. C'est une autre ethnie qui va venir sauver une autre ethnie. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Ce qui va se passer demain, c'est Allah seul qui le sait. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, nous on savait, je l'ai souvent dit, il allait partir comme un chien enragé. Mais le bonus là, je n'avais pas ça. Le village s'appelle Karako, ou bien quoi? Quelqu'un a écrit ici. Je ne sais pas trop. Voilà, en tout cas, les gens de Forikaya, ils connaissent l'affaire là. C'est quelqu'un que... Voilà. Mon frère, j'ai toujours été ridicule. Wallahi, depuis le début, je suis ridicule. Mais malheureusement, là, le ridicule n'a jamais tué personne. Je ne suis pas plus ridicule que vos gens. Puisque moi, au moins, en tout cas, je pense que je suis satisfaite à 50% ou 70%. C'est énorme, hein? Contrairement à vous, là où vous êtes là, je n'aimerais pas être à votre place. S'il y a des gens qui ont envie d'être à votre place, il n'y a pas de problème. Donc, l'affaire du colonel et de son équipe, nous devons les soutenir comme nous pouvons, dans les prières, avec nos âmes, dans les vidéos. Parce que si vous voyez que ces gens-là ne sont pas contents, ils sont surpris et dépassés. Ils n'ont pas imaginé ça, ce qui se passe aujourd'hui là, non. Ils n'ont pas imaginé ça. Mais ils doivent réfléchir ce qu'ils étaient en train de faire en âme et conscience. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce qu'ils étaient dans la vérité? Est-ce qu'ils étaient dans leurs droits? Est-ce que les Guinéens sont contents d'eux? Est-ce que les Guinéens étaient contents d'eux? Je vous avais dit qu'il y a un groupe, un petit groupe. Ce sont eux qui nous fatiguent depuis que la Guinée est Guinée. Leurs oncles, leurs tantes, leurs petits-fils, c'est les mêmes réseaux. Ils ne seront jamais contents. Nous, la majorité, ils veulent profiter de notre division comme ils ont toujours profité de cette division. Ce qui se passe en leur coulisses là-bas, c'est leur problème. Ça, ce n'est pas notre problème. Ce que nous, on voit, qu'on est en train de nous montrer, qu'on n'est pas habitué là, on apprécie ça pour l'instant. Il faut savoir apprécier ce que Allah te donne. Maintenant, je voulais parler de Hadia Alimatou pour plusieurs causes, mais par rapport aussi à son éloquence. Ça m'a beaucoup marqué. Vous savez pourquoi? Parce que l'ancienne là, elle n'a pas envie de dire son nom, elle avait fait les études de communication. Ou bien, il paraît. Quelqu'un qui n'a pas fait d'études de communication. Quelqu'un qui a toujours, on va dire, fait ses études en Guinée ou vécu en Guinée. Écoutez comment elle parle. Alors, faut pas gâter ma connexion. J'ai une dame et des victimes de viol. Comment vous avez appris cette nouvelle? La seule qualité, elle est là. C'est avec une grande indignation. Très grande. Voilà, il y a le moment. Que nous avons appris ce qui est arrivé à cette femme. Je suis là au nom de l'ancien président de parti RDG et au nom de toutes les femmes. Et les femmes militantes et sympathisantes de partout pour nous enquérir de l'état de santé de Mouma Sylla. Nous venons lui apporter notre soutien et comme il y a un vent nouveau qui souffle en Guinée, nous souhaitons que ces criminels qui ont fait cet acte soient sanctionnés à la hauteur de leur propre vie. Nous sommes là dans ce cadre et vraiment en tant que femmes. En tant que mère, nous sommes choqués. Nous sommes choqués que des choses comme ça se passent dans nos quartiers. Et de l'ancien appel aux femmes d'être très, très vigilantes. Parce qu'il y a beaucoup de bandits qui se promènent chez nous. Nous demandons aux nouvelles autorités
de sécuriser les femmes. Je vous remercie. Madame, est-ce que votre combat sera limité seulement à interpeller la justice des traduits? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous allons l'accompagner, cette dame. Oui. Ce n'est qu'un début. Nous sommes là pour un soutien moral, pour un début et le matériel suivant. Merci. Merci, madame. Bonsoir. Il y a les autres dames là vont parler. Je ne vais pas finir votre connexion. Vous êtes très nombreux qui sont en Guinée là-bas. Les autres dames vont parler en Soussou, en Poulard et en Malinké. Voilà. Mais je voulais vous faire écouter cela. Contrairement à quelqu'un qui a fait des études de communication que vous connaissez, l'autre là, qui n'a pas de nom là, regardez la façon de parler. Ça n'a rien à voir. Absolument rien du tout. Et là, elle a plusieurs journalistes devant elle. Elle a plusieurs journalistes en face. On voyait des vidéos qui n'étaient même pas du direct. C'était même pas du direct. C'était des vidéos que les gens font, qui mettent en ligne. Comment la dame, là, sa voix tremblait. Elle n'était même pas à l'aise avec deux, trois personnes. Quelqu'un qui a fait des études de communication. Quelqu'un qui est première dame, elle a été première dame pendant 10 ans. Hein? Quand je vous dis que nous, la majorité des Guinéens, certains Guinéens parmi nous, certains, les mauvais Guinéens n'aiment pas les bonnes choses. Parce que quand la dame là allait être première dame, je vous ai plusieurs fois dit, elle allait venir avec un certain savoir déjà, prête. On n'aime pas ça. On aime celle comme d'habitude, celle qui sort de nulle part là. L'autre là, je ne vais pas dire son nom. C'est fini. Moi, pour moi, les gens là, c'est fini. Donc, je ne vais pas tout le temps revenir sur les trucs. Moi, je sais pourquoi je fais ça. Voilà, c'est comme ça. Chaque chose en son temps. Chaque chose a vraiment son temps, quoi. Ceux qui sont là pour les faire revivre, c'est leur travail. Eux vont les faire revivre. Chacun n'a qu'à faire sa mission. Moi, je ne suis pas là pour faire revivre les anciennes choses. Nous sommes au présent. Nous avons un futur, nous devons avancer. Dans cette évolution-là aussi, il y aura des embûches, il y aura des problèmes. Maintenant, les gens qui pensent que ce soit le colonel, son équipe ou qui que ce soit, quel que soit l'homme politique, que quelqu'un va venir faire la magie dans ce pays-là, ce n'est pas possible. Tu vas te battre tous les jours que Allah a créé. Tu te battras tous les jours politiquement pour ton pays. Certains vont se battre à certains niveaux, ils vont s'arrêter, d'autres vont se battre, ils vont s'arrêter, d'autres vont se battre, ils vont s'arrêter. Les gens qui pensent, j'ai eu beaucoup de personnes qui disent que, moi les gens là, je ne fais pas confiance. J'ai dit oui, je comprends tout ça, vous ne faites pas confiance au colonel, d'accord, je suis d'accord avec vous. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Donc ça veut dire que vous voulez que l'autre reste quoi? Ou bien quoi d'autre? C'est ce que vous auriez voulu, parce que vous savez, moi je ne comprends pas certaines personnes. Il faut dire les choses. Nous étions dans la situation dans laquelle nous on se trouvait. Nous, on sait cela. Mais si vous vous dites que cette personne est partie, vous n'étiez pas avec cette personne. Mais celui aussi qui est venu là, vous ne lui faites pas confiance. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Ceux qui pensent cela, c'est notre façon de faire aussi qui va faire que la personne qui est venue ici va savoir comment se comporter avec nous. On va fermer un œil, ouvrir un autre œil. Mais là où nous sommes là, si nous faisons cette division habituelle pour affaiblir ce monsieur-là, pensant qu'en faisant, en l'affaiblissant, ça va donner la force à quelqu'un d'autre, ça ne donnera la force ni à Paul, ni à Pierre, ça donnera la force aux anciens dignitaires. Je vous le dis tout de suite. Et toute leur démarche, ils ont essayé au début, pensant que nous n'allons pas le soutenir, ça n'a pas marché. Passant par l'affaire d'Ethnie, oui, ça a quitté chez un Malinké, j'ai venu chez un Malinké, ça n'a pas marché. Ça a quitté le salon, c'est venu dans la chambre, ça a quitté la chambre, c'est venu dans le salon, ça n'a pas marché. Tous les jours, c'est nouveauté. Tous les jours, c'est des nouveautés. Tous les jours, ils vont sortir des nouveautés pour nous titiller, parce qu'il y a des gens qui sont tellement sur l'émotion, qui vont jouer sur cette émotion. Moi, je me promène dans les groupes, là où il y a les publications écrites, je vois les réactions à... Les réactions des Guinéens globalement, si je me fie à ça, je suis très agréablement surprise. Moi, cela me va. Parce que tout ce qui se passe,
C'est une nouveauté pour nous. Nous n'étions pas préparés à cela. Ce n'est pas des gens qui ont cherché le pouvoir par les urnes. Ce ne sont pas des gens qui ont préparé un truc pendant 10 ans, pendant 20 ans, un parti politique qui a un programme. Non. Ce n'est pas tout cela. Il faut que chacun de nous sache. Tisha Touré en a dit la grande. Il faut que chacun de nous sache. Doussoukaba, comment tu vas, ma chérie? Il faut que chacun de nous sache ce qu'on veut. Moi, je ne comprends pas. C'était ça avant. On ne veut pas des alphas, on ne veut pas des dalais. Aujourd'hui, ah, on ne voulait pas des alphas. Oh là là, j'ai encore dit son nom. Je ne sais pas pourquoi. Vous, ça ne vous arrive pas. Je n'ai pas du tout envie de dire le nom de ce monsieur-là. Pourquoi? Non, Doussou, alors les bêtes. Doussou, il faut partager les vidéos. Il faut partager les vidéos. La vidéo qu'on a fait la fois dernière, plusieurs personnes ont fait cette vidéo. La dame là, on est parti la rendre visite. L'UFDG est venu lui rendre visite. Le président de la République de la Transition est venu lui rendre visite. Et il a exigé que la lumière soit faite sur cette agression, sur cette histoire. Et quand c'est comme ça, ça va faire peur aux gens là. Toutes les personnes qui ont l'intention de faire du mal maintenant aux filles vont bien réfléchir. Et Hadjama Alimatou dit que le soutien financier va suivre. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une famille très modeste, apparemment une famille comme la majeure partie des familles guinéennes. Je pense que ça va beaucoup les aider, ça va beaucoup les arranger. C'est une très, très, très bonne chose. Ça, c'est la nature de cette dame-là, même si ce n'est pas l'UFDG. Hadjama Alimatou, elle est comme ça, c'est sa nature. Maintenant, elle est partie chez les gens. Si avant, elle avait refusé d'aller chez le RPG, c'est là qu'il avait invité. Aujourd'hui, elle est arrivée. Qu'est-ce qu'on allait dire? Hein? Tu regardes la puissance, comment tu vas? Il faut partager là-bas. Hein? Qu'est-ce qu'on allait dire aujourd'hui? Ça va passer. Tout ça, là, va passer. Tout ça, là, passera. Ça va passer. Ça passera. L'autre, là, même, on est en train de l'oublier. Les Guinéens, même, l'ont oublié. Quand vous discutez avec les gens, toutes ethnies confondues, toutes les personnes, je sais que dans vos familles, demandez à vos amis, aux connaissances, ils sont en train de dire que c'est comme si on les avait détachés, comme s'ils étaient attachés. Ils se sentent... On ne vous dit pas ça? Moi, en tout cas, on me le dit. On me le dit ici. On me le dit là-bas. Mais ce n'est pas fini. Ah, Kulumbade, wallahi, ce n'est pas fini, hein? Ce n'est pas fini. Les gens là vont tout faire pour nous fatiguer. Ils vont tout faire pour fatiguer ce monsieur-là. Ils vont tout faire pour le faire regretter. Ils prennent ça comme un affront. Ils prennent ça comme un défi. Mais ils savent qu'ils étaient dans l'illégalité. Ce n'était pas légal ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas juste ce qu'ils faisaient. Mais il faut que ça continue sur ça. Nous, on va les suivre comme ça. Nous, on va les suivre. C'est-à-dire, nous on n'a rien à faire. On n'a rien à dire que de subir ce qu'ils font. Regardez leur visage là-bas. Regardez-les comment ils sont mal fichus quand tu les regardes. Quand tu regardes leurs photos là, comment ils sont. C'est dans la main de ces gens-là qu'on était. Hein? Tu les vois même, tu as peur. Donc ils vont tout faire, soit le fatiguer, soit essayer de tourner son cerveau. En tout cas, Kiraouyeyi, c'est un étoile ou n'embarré mon problème. Là. Ils sont toujours en train de chercher la petite bête. Ah, c'est ça. Oh, c'est si. Non, c'est l'autre qui a fait si. Ah, pourquoi ils ont fait comme ça? Oh, non, on ne va pas pardonner au colonel. Vous n'allez pas lui pardonner parce qu'il vous a demandé pardon. Même s'il vous a demandé pardon, ça c'est entre vous là-bas. Nous autres là, non, on ne cherche même pas le pardon ou quoi que ce soit. Les gens qui ont des victimes, c'est à eux qu'on demande pardon. Maintenant, au reste là qui ne sont pas victimes, je ne sais pas pourquoi on va leur demander pardon. Ceux qui sont morts, ils sont morts dans leur métier. C'est comme quand un maçon tombe du haut, ou un charpentier, il tombe, il meurt ou il se blesse. Il va s'en prendre au mur. Mais non, ça c'est son métier. Moi ici là, vous m'insultez. Ce n'est pas le bon exemple. Les gens m'insultent, ils insultent ma mère. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vous dis que je suis prête. Mon âme est préparée à ça. Parce que c'est comme si tu as 500 personnes dans une salle. Il y a des impolis, il y a des polis, il y a toutes sortes de personnes. Il y aura des gentils, il y aura des méchants, il y aura toutes sortes de personnes dans cette salle. Toi, tu peux canaliser ceux-là pour dire qu'il faut qu'ils fassent comme tu veux. Non, c'est pas possible. Donc, ces gens-là, ils sont pas humains. Leur côté humain, là, on dirait qu'on leur a enlevé ça.
Vous savez, l'égoïsme, l'orgueil et l'égoïsme. Quand un être humain a ça, la haine nous empêche. Quand je dis nous, c'est-à-dire un être humain, la haine t'empêche de réfléchir correctement. Quand tu as la haine en toi, tu ne vas pas réfléchir correctement. Non. Ta haine fait que la vérité devient autre chose pour toi. Parce que quand c'est blanc, toi tu vois bleu. Quand c'est bleu, tu vois... Tu inventes des choses dans ta tête. C'est la haine qui fait ça. Le moment où la vérité te rattrape, c'est ce qui s'est passé pendant ces dernières élections. Ils se sont embourbés, je vous ai dit ça ici. Ina gouba umbira gourima. Tu as un gros gouba là. Le mensonge est comme ça. C'est trop gros. Quand tu t'arrêtes par là, tu tombes. Tu veux tomber, tu t'arrêtes de l'autre côté. Tu pars. Finalement, tu vas tomber. Finalement, tu vas tomber. Nous allons continuer nos doigts. Nous allons continuer nos prières. Ne négligez pas cela. C'est ce qui manque. Sinon, on a tout fait. On a chanté, on a dansé, on a manifesté. On a tout fait. Tout ce qui doit être fait a été fait dans ce pays-là. Vu que c'est Allah qui donne le pouvoir et que c'est lui qui peut nous sauver, il faut que nous aidons les gens là dans les prières, dans les invocations. Il y a 3 ou 4 façons de jeûner. Il y a les recommandations prophétiques. Il faut bien se renseigner. Vous avez internet, vous vous renseignez. On a beaucoup d'imams pervers qui servent Shaitan, qui servent les Shayatines. On a les lundis et les jeudis. On a les 3 jours lunaires, c'est-à-dire 13e, 14e et 15e jour du mois lunaire. Voilà, ce sont les recommandations prophétiques. Et on a les jeûnes 1 jour sur 2. C'est-à-dire, tu jeûnes aujourd'hui, demain tu ne jeûnes pas. Tu jeûnes après-demain, après tu ne jeûnes pas. Tu peux faire ça. Ça, c'est des jeûnes recommandés. Maintenant, les gens qui font passer des messages de jeûner tel nombre de jours, il faut pas le faire. Hein. Quand ils vont voir ça, ils vont se fâcher. Non, il faut pas le faire. Ça, ce sont des recommandations prophétiques qu'il faut faire. Même les filles qui veulent maigrir, pour vous dire que l'islam a tout mis à la disposition de l'être humain. Vous qui voulez maigrir là, arrêtez d'acheter les conneries là. Vous jeûnez aujourd'hui, demain vous ne jeûnez pas. Vous jeûnez aujourd'hui, demain vous ne jeûnez pas. Vous pouvez faire ça pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Vous servez Allah et vous maigrissez. C'est pas bon? Bon. Vous n'aimez pas votre teint? Les filles de teint noire sont devenues très rares. Je vais profiter de l'occasion. Peut-être que c'est la folie, vous allez me dire, comme on dit tout le temps d'ailleurs que je suis folle ou je suis quoi, je sais même pas ce qu'ils aiment écrire ici. J'ai envie de devenir noire. Est-ce que c'est normal? D'habitude, les gens ont envie de devenir clair. Pourquoi moi j'ai envie de devenir noire ces temps-ci? Non, mais c'est sérieux. Le teint noir, la force que le teint noir a et les cheveux crépus, vous pouvez pas imaginer. Quand ton teint est noir, Allah a mis la force dans ton teint. Quand c'est clair, il a mis la force là. Quand ton nez là est épaté, il a mis quelque chose là. Il sait pourquoi il a fait ça épaté. Mes dents là qui sont superposées côté droit là, il sait pourquoi il a mis par ici. Mes yeux là qui sont comme ça, il sait pourquoi il l'a fait. Si moi je modifie quoi que ce soit sur ça, ça veut dire que le travail que Allah a fait, je veux dire que le travail là n'est pas bon. Moi je vais faire un autre. Si tu pries dans cette situation-là, c'est pour qu'on dit, si tu pries dans cette situation où ta femme ou ta copine prie dans cette situation-là, elle n'est pas en train de prier Allah. Les cheveux crépus, tous les autres continents, ils ont les cheveux lisses, ça tombe. Nous, on a les cheveux crépus, c'est debout. Tu préfères tomber ou bien tu préfères être debout? La force est dans les cheveux crépus. Même défrisage, ce n'est pas bon. La force que Allah qui a mis dans tes cheveux là, tu veux gâcher ça. Tu le gâches. Tu dis que moi, mes cheveux là, je n'aime pas. Tu fais ça lisse. Tu finis de faire ça lisse. Tu accroches des trucs à ça. Que ce soit perruque ou quoi que ce soit. Fournissez des efforts. Sortez de ça progressivement. Vous pouvez faire des jolies attaches de foulard progressivement. Couvrir votre teint. Vous êtes noir, vous n'aimez pas le teint noir là. Il faut couvrir. Il faut couvrir. Si tu n'aimes pas, tu couvres. Tu fais plaisir à Allah en même temps. Parce que ton mari dit que lui, il aime les filles teint clair. Il faut prier Dieu sincèrement et honnêtement. Que Allah, mon mari dit que moi je suis noir. Hein?
Il dit qu'il veut une fille telle noire. Ah ouais, je te donne la situation là, sincèrement, honnêtement, toutes les nuits. Tu vas voir si ten clair là, si elle va rentrer. Si tu vas décaper ton ten là-bas. Parce qu'un marabout a dit à ton mari qu'il aime les filles de ten noire. Le marabout là travaille avec les djinns sataniques. Et c'est Shaitan qui a fabriqué le produit éclaircissant. C'est lui qui a tout fabriqué. Tout ce que Allah a fabriqué, comme vos religieux ne font pas leur travail, tout ce que Allah a fabriqué, Shaitan a fabriqué double. Pour montrer à Allah que lui aussi il peut. Il le défie. Et on le suit. La façon dont je vous dis là, les religieux ne vont pas vous le dire comme ça. Parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Moi j'ai mis produit éclaircissant, j'ai mis des frisages, et tout. Les sourcils là, vous voyez mes sourcils? En bas, vous voyez qu'il y a un tatouage. Vous voyez? J'ai laissé mes sourcils pousser. Il va me pardonner. Au début, les gens me disent, oh, il faut bien égaliser tes sourcils là. Quoi que je dis, non. Moi, je ne veux plus faire plaisir à quelqu'un. Je veux faire plaisir à mon créateur. C'est pourquoi ce que je lui demande, il fait. Vous pensez que quelqu'un d'autre ne va pas faire ce qu'il veut et il va gagner sur moi? Halatin namurabama. Mais surtout les femmes. Surtout les femmes. Les gens font beaucoup de rêves qu'ils me disent. Je leur dis que je ne leur dis pas. Je dis parce que je me bats dans ce sens. Quand je leur dis, ils disent que c'est moi qui invente. Il y a un monsieur qui m'a appelé la foire, qui est un religieux, qui a une femme qui est arrivée. Je vais profiter pour vous dire ce rêve-là. Inch'Allah. Que la dame lui a dit que dans le rêve qu'on lui a dit qu'il faut que les Guinéennes soient pudiques. Il faut que les Guinéennes se couvrent. Le monsieur m'a envoyé le vocal. Je l'ai rappelé. J'ai dit, il faut faire un vocal. Je vais mettre. Il dit que non. Il faut le leur dire. Qu'elles fassent, qu'elles ne fassent pas, ce n'est pas leur problème. Et que si les Guinéennes deviennent pudiques, que la Guinée allait énormément changer. Positivement, que ça dépendait des femmes. Et comme moi, je me bats dans ce sens, c'est pourquoi il me le dit. J'ai dit, ça fait 2 ans que je leur dis ça. Leurs religieux sont toujours en train de tuer les bœufs. Mais ils ne se battent pas dans le sens que je suis en train de dire là. Hein. Donc, les filles, essayez de changer. Fournissez un effort. Fournissez un effort. Moi, je suis passée par ce processus. Pour moi, c'était chaud. Pour moi, c'était très, très chaud. Je n'avais pas le choix. C'est pourquoi... Moi, j'ai changé progressivement. Mes anciennes vidéos sont là. J'ai changé progressivement jusqu'à porter ça. Vous allez voir progressivement. Parce que vous allez finir par là, Inch'Allah. Il faut commencer maintenant. Il faut commencer maintenant. Les produits éclaircissants. Ne vous dites pas, ça va abîmer mon teint. Je pensais ça. Ça va me donner les boutons. Non. Mais voilà. J'ai fait confiance à Allah, c'est tout. Et ça a marché. Voilà mon teint. Je suis Fatima Ba de nature. J'étais blanche, foin. Tellement que j'avais Satan au corps. Je me maquillais trop. Je ne pouvais pas être sans rouge à lèvres. Tous ces trucs-là ont leur signification. Si Allah voulait qu'on ait les lèvres roses, il peut le faire. Il veut que tu aies des lèvres bleues. Il peut le faire. Oui. Il peut, tout ce que, même si tu veux les cheveux jaunes, s'il voulait mettre ça sur nos têtes, il allait mettre. Mais il ne l'a pas mis, parce qu'il ne veut pas, parce que ça ne nous convient peut-être pas. Donc ce qu'il veut, c'est ce qu'on va faire. Je vous remercie pour les partages, pour les commentaires. Et la Marana Bangoura, je ne crains rien du tout. Et hey, toi aussi, qu'est-ce que je peux craindre si ce n'est pas Allah? Laissez les gens là parler. Donc, les gens de Réunion, là, ils ne sont pas contents. Ils sont inquiets. Parce que l'autre est en train de s'imposer progressivement. Ils ne pensaient pas que ça allait être comme ça. Oh, tel n'a pas reconnu le pouvoir, là. Oh, tel n'est pas... Les gens qui n'ont pas reconnu le pouvoir, eux-mêmes ont commencé à défiler, là. J'ai les intérêts. La politique, c'est les intérêts. Les mêmes personnes qui venaient quand l'autre était là. Moussa, God bless you tout. Quand l'autre était là, les gens qui venaient là, c'est les mêmes qui vont venir. C'est la politique. C'est ce qu'on appelle la politique, c'est les intérêts. Le Guinéen pense qu'on dit politique, c'est les intérêts, c'est donner de l'argent à quelqu'un. Non. Ibrahim Kondé, merci beaucoup. C'est pas ça, hein. Les présidents qui venaient là, ils vont revenir, Inch'Allah. Ils vont redéfiler, Inch'Allah. Ceux qui prennent maintenant la politique pour leur orgueil,
parce que il nous a fait honte, il nous a fait ci, il nous a fait ça. Vous n'avez rien compris. Quand vous vous faisiez honte aux autres, vous voulez les humilier, vous voulez les détruire. Maintenant, aujourd'hui, voilà pour vous, parce que vous n'étiez pas pour la vérité. Moi, même si ça s'arrête, ça va la danginama. Kala danginama. N'tangibara n'tangwasa n'tangdo. N'akan bansan na bariki. Givan tambe. Kande fan sa yomma. Sanfoui fan gore nar. Bonus nan 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 Yaya, comment ça va? Merci à tout le monde. Touman Sigirin, comment tu vas? Ça fait longtemps que je ne te vois pas. J'espère que tu as partagé. Partagez les vidéos, commentez-les. On va essayer peut-être demain ou après-demain. Inch'Allah, on verra. On fera d'autres vidéos. N'oubliez pas le jeûne du lundi. Si je ne fais pas de vidéo, je vous ai déjà dit, je répète, il y a les jeûnes du lundi et de lundi et de jeudi. Il y a les trois jours lunaires. 13e, 14e et 15e jour. Il y a les jeûnes un jour sur deux. S'il y a autre chose que j'ai, je vous le dirai. Maintenant, les autres comptes là, il faut gêner 3 jours, il faut gêner 10 jours, il faut gêner 15 jours. Après, il faut... je vous le déconseille, ne le faites pas. Les gens là sont, les Guinéens, c'est ce qu'on a dit, les gens sont dans le truc qu'ils mélangent, c'est-à-dire la tradition à l'islam. Ils sont en train de mélanger les deux. Ça, c'est très très mauvais. C'est énormément mauvais. Très mauvais. Voilà. Donc, c'est pas beau le naturel. Si, c'est beau. Ousmane Touré demande à Toumane Sigiri que où il était. Toumane Sigiri, oui, c'est vrai. C'est juste s'il n'était pas là, Bouba. Bouba Fof et Ousmane Touré. Je ne sais pas qui demande à qui là-bas. Donc, Atananaki, merci beaucoup. Partagez les vidéos. Ne vous fatiguez pas de partager les vidéos. C'est juste ce que vous pouvez faire. Vous cliquez. Voilà, vous commentez. Vous écrivez même les bêtises et les conneries, parce qu'il y a des bêtes, il y a des cons, il y a du tout. C'est ça la force d'Allah, il a tout créé. Lui, il a tout créé, tout. Même Satan, c'est lui qui l'a créé. Donc, même les bêtes, là, c'est Allah qui vous a créé. Je ne peux rien faire contre vous. Voilà. Je vous dis à bientôt. Alimo Touba, comment tu vas? Mariam Fadiga, comment tu vas? Et Kadiatou, et Binta, Sekou Konate Kamara. Bon. Atananaki, merci beaucoup. Allah ramisini midi biri natanga. Allah ramisini midi biri sutura. Ha won natanga, ha won sutura. Allah ha won ba gisentane tu yira. Albert Danois, merci. Allah ha won ba yi iblistike yira. Parce qu'à mou yongde. Je vous rappelle, moi je vous ai toujours dit, Abdallah Bangoura, je vous ai toujours dit que Alpha Condé fait partie de nos problèmes. Et Allah mou marafala. Otanyama, o mali. Il fait partie de nos problèmes. C'est pas le problème des... Maintenant, écoutez ce que je dis. Ceux qui disaient que c'est lui le problème, ils ont fini de se battre. Leur problème est fini. Ceux qui disent qu'ils faisaient partie du problème, ils n'ont pas fini. Hein? Ils n'ont pas fini. Je vous ai régulièrement dit que il est venu nous trouver avec nos problèmes. Il a rajouté sa part parce qu'il y avait de la place. Sa part qu'il a rajoutée là, c'est ce qu'on a enlevé. Oui, la part du colis là, on a enlevé les problèmes là. Les autres maintenant veulent refaire revivre le côté qu'on a levé, même si c'est avec une autre personne. Ils peuvent faire ça même au colonel et à son équipe là. Les injecter de ce venin qu'ils ont là. C'est ce qu'on doit éviter. On doit continuer. Oui, Allah, il va nous aider. Surtout les femmes, fournissez un effort. Les femmes, fournissez un effort. Ça va venir. Sinon, vous allez commencer à voir des trucs bizarres dans votre maison. Vous allez même le voir l'intégral. On ne va même pas comprendre comment vous avez mis. Donc, avant que ça arrive là-bas, commencez maintenant la petite à petit à bricoler. Vous allez lever d'abord la perruque. Vous arrêtez le dévrisage. Vous faites votre petit marabembeï. Vous prenez les foulards, des tissus là. Vous attachez ça petit à petit. Commencez à porter des manches longues comme je faisais. Quand vous portez le pantalon, vous portez un truc qui vient là, petit à petit. Vous pouvez porter les robes longues, petit à petit. Après, ça commence. Le voile vient. Après, la grosse robe vient. C'est comme ça. Inch'Allah. Awa. Je vais dire le colis. Alpha Bayou, je vais dire le colis. Merci à vous. Donc, à la oumba, c'est un non c'est un tu es ira. À la oumbir, natanga, oum, kanta, oum, sutra, ramisi, midibir, mala, oum, mali. Aramisi, midibir, intikira, oum, maho, intikira, oum, ma. Ara la Guinée, pas.
sentane mo sentane to yira akanu rasul la gine akanu rasul la gine dibirin sundo nyane gine har na boyma akanu rasul humanité birin mislim dibirin sundo nyane gine har na boyma ali kafire ala kanu rasul sundo nyane gine har na boyma kana na nyane ga ba sentane yira ala kana ra ba kat akay batini ala kana gine batini ala kana gine de sundo nyane ke batini ala kana gine ke ga ami batini Alors dis sentane to ene re bang bang ma be ni goulé ma burburu en goulé ma tengé en nyamara tantang Alors wo kha khali bané ma alors wo kha khali be kha vidéo e ma Alors re yer be ha auteur ay kha patron na yer be kan re kha men gere yer be fe kan re Alors re yer be na sens ma e fang be valeur kaya e fang a puissance kaya e fang a degré de négativité kaya Alors na ra ba wombe ala ko won kunti akakrara ala ko won ta akakra ya goma nanan go mutan tamma surtout gine wora fan alama mala arafa goma atana wora fan ri wo fan nga fa na fan alu wora fan ga kan re parce que ntan na fan fa fa na fan ngala ra fan ga kan re ala ko wara fan dangin tan wo nga concurrence la ba ala ko ni mo ma concurrence goma ala na ngoy wo nga concurrence ara ma se wo be no ntan mari susuko ma préféré na humanité kuitu mwa ma woka luna kine miri yete ma toko manana na imuno ma yete ma toko di fikatara ye ntam na fala ma memfan rafam ma iyo paske naka ni rafam ina ya gana rafam be ala wanda ma rafam ina ma donk wana rafam samusi wana rafam awama na hongo wana raba wana wangete sutura la femme c'est l'usine de l'humanité c'est l'usine faut que l'usine soit bien emballée, faut que l'usine soit protégée. Oui, Inch'Allah, qu'Allah nous aide, qu'il nous guide, parce que c'est le meilleur des guides. Que vous l'aimez comme il vous aime. Que vous l'aimez comme Marie Sissoko l'aime. Ah là, la concurrence sera dure, hein? Ça sera très rude. Quand on dit les interdits, je vais vous terrasser là-bas. Hein? Aller-retour, vos sourcils là, il faut plus épiler. Vous allez oser. Ça va être difficile. Je vais vous terrasser là-bas. Produit éclaircissant, il faut arrêter. Ça va être chaud. Vous allez avoir peur d'avoir les boutons. Je vais vous terrasser là-bas. Peur qu'il faut arrêter. Oh, ça c'est un autre problème. Cheveux crépus sans défrisage depuis 2009. Avant même l'affaire d'Islam, j'ai arrêté le défrisage. 2009. Donc mon changement a été long. Merci à tout le monde. À bientôt. Inch'Allah. Alpha Omar. Alpha Omar Fatoumata, Toumani Sigiri. Toumani Sigiri, tout le monde dit que tu as disparu d'ici. Donc, on va porter plainte contre toi. Ou bien, nous aussi, on va t'emballer. Nous aussi, on peut emballer à notre façon. Rougi. Quoi? Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci pour les partages et pour les commentaires. Sekou Konate Kamara a dit. Sekou Konate Kamara, c'est ça? Les gens qui veulent là que je les rajoute ici, ça va être difficile. Kamara Baka, merci à toi aussi. Merci à tout le monde. Fanta Jamila, tu avais un peu disparu. Tata Kadiatou, merci. Oui, je vais le faire. Kadiatou, ce que j'ai en projet d'avenir, voilà, parce que je vois que l'islam là qu'ils servent là, c'est un faux truc, voilà. Je sais même pas où ils sont partis ramasser ça. Moi, j'aimerais que ce soit un mode de vie, un état d'esprit et un style de vie. Expliquer certaines choses aux femmes, surtout aux femmes. Travailler avec les religieux, les bons religieux, les gens qui ont fait les études de théologie, qui parlent français, anglais, les langues de la Guinée. Expliquer à ma façon faire des conférences avec mon histoire que moi j'ai vécue spirituellement et dans la vraie vie, Inch'Allah. C'est ça mon truc dans toute la Guinée. Inch'Allah, c'est ce que j'aimerais vraiment faire pour que les gens puissent vivre ce style de vie tranquillement, sans pression, qui s'inspire, moi de mon histoire, parce que les gens ont peur. Les gens ont peur du voile, ils ont peur de ci, ils ont peur de ça. Quelquefois, vous allez avoir peur, oui, quand je vais faire ça, je ne serai plus sexy, mon mari va aller courir derrière les sexy. Ma soeur, tu vas tellement terrasser les sexy que ton mari va même te demander que qu'est-ce qui se passe. Billahi wallahi, quand tu es avec Allah, il est avec toi. Rien que lui mettre cette confiance-là, que moi je me couvre pour toi, il va tout faire pour que tu gagnes tous les combats. Quand
c'est sincère. Je vous ai dit, moi, mon mari n'est pas son âme. Non. Je pense que si c'est lui seul qu'on demande, il n'aime pas les habits là, je ne pense pas. Je ne pense pas s'il aime ça. Non. Donc, ce n'est pas les hommes qui obligent toutes les femmes. Et ça, même cette idée-là, les gens doivent quitter cela. Donc, moi, c'est ça ma démarche dans l'avenir. Vous voyez, je me projette, Inch'Allah, qu'Allah m'aide à ça. J'ai une ancienne copine qui met des cœurs ici, là. Elle est dépassée, quoi. Elle est dépassée qu'elle me voit comme ça. Je leur ai dit, vous allez enlever vos perruques là un jour, Inch'Allah. Vous allez enlever tout ça à la tigre. À bientôt. Merci à tout le monde. Merci. On va aller prier le Isha. Chez moi, ici, les leurs. Parce que je suis du côté des derniers. Là où le soleil est. Merci. Oui, Kagiatou, mais ça sera ça. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas parler de tous mes projets ici, hein, mais ça sera dans ce sens-là, Inch'Allah. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un bon État qui est là, parce qu'il faut que l'État contrôle. J'ai déjà mon plan. Il faut que l'État contrôle, il faut que l'État soit d'accord. Voilà, l'État doit contrôler ce genre de choses, parce que vous savez, c'est très très délicat. Donc, c'est un peu ça. Merci à tout le monde. À bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide. Allah subhanahu wa ta'ala, 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 Allah subhanahu wa ta'ala,